Donc là, on accueille une nouvelle venue dans le projet qui nous fera un morceau de sa composition qui sera une balade pour le film. Des quelques balades que l'on a. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va choisir le son. Ça va, c'est pas trop mal. Alors attends. Parce que moi le son je peux le choisir après hein, une fois que la musique est enregistrée. Parce qu'en fait ça enregistre que le vrai son de la guitare. Et c'est après qu'on peut retravailler le son. Non, c'est pour toi, c'est ce qui sera le plus facile à jouer en fait. Ça y est, la voix. Un peu trop là peut-être. Un son clair en fait. L'un des premiers que t'as mis, c'était pas mal. C'est hallucinant quand même. C'est en bas à la base. Hein. Ah, c'est mieux. Là, j'ai mis au centre. Entre les deux, c'est pas mal. Y'a rien, y'a pas trop de reverb. Ça vaut encore. Ça, c'est pas mal. Joue, qu'on écoute ce que ça donne. Combien de fois habituellement dans les morceaux dits rock, c'est 4 fois couplet, 4 fois couplet, 2 fois refrain, et après 2 fois couplet, 2 fois refrain souvent. Ouais. Ouais, on fait ça. Ok. Donc, on va faire un décompte, tac tac, tu fais comme tu veux. Quand tu veux. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a la main. Essaye de le faire plus. Alors, fais-le plus vite, moi je pourrais le ralentir. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ah, c'est bien ça. Oui. Bon, en fait, limite, j'ai pas besoin de savoir jouer. Je le fais une fois chaque accord. Oui, tu sais, oui, c'est ça, oui, presque. Presque. Ouais, tu sais, c'est comme ça qu'ils font toute leur banque de guitare, ils les font comme ça. Ouais. Ils enregistrent 2-3 riffs et puis après, tu joue-le à ta vitesse. Thank you.
4-2-2-2. Ok, c'est bon. Alors écoutez, il écoute au casse, mais. Et là, en écoutant, tu peux changer les sons. Oui. Faut que je l'égalise ce truc, toi. Faut que je mette des filtres. Le son t'a changé ou...